Mobutu venait de créer un bureau où il avait tout autour de lui un certain nombre d'universitaires, et Kachamankoï en était un. Lui est diplômé d'Oxford en Angleterre, il revient, d'Oxford en sciences politiques, il revient, on l'engage comme conseiller au bureau du président de la République. Alors, comme c'était un esprit brillant qui émergeait de tous les autres, je crois qu'il y a eu des frictions au niveau de ses collègues. On ne sait pas précisément qui, mais en fait, il a été, pour ainsi dire, d'après ce qu'on dit, mais là, il faut vérifier si c'est vraiment la réalité, il aurait été empoisonné. Alors, Rochereau, qui a été dans les années de type primaire ou secondaire, qui était très lié à Kachamankoï, en a fait sa chanson. Et Kachamankoï, d'autre part, était un lumumbiste au niveau des idées. Je crois que le Rochereau l'a fait dans ce sens-là. Il demande à Kachamankoï, il interpelle Kachamankoï. Il dit, mais cher ami, il interpelle le mort. Mais tu t'en vas, tu nous laisses malheureux, tu nous laisses orphelins. Mais si tu rencontrais Lumumba, là où tu vas, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais qu'on n'a pas suffisamment pris soin de toi. Mais nous te pleurons encore. En tout cas, nous te pleurons et le pays est en manque d'un intellectuel comme toi. Ta famille est en manque d'un enfant, d'un fils comme toi. Nous, tes amis, nous sommes en manque d'un ami comme toi.